Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Bienvenue à la manade de Reynaud. Avec plaisir. Je vais vous présenter les gardiens qui sont là aujourd'hui. Comme ça, si vous voulez leur parler à l'apéro. Là, c'est Baptiste. Bonjour. Bonjour. Bertrand. Bonjour. Michel. Bonjour. Là-bas, c'est Franck. Bonjour. Là, c'est pas moi, Franck. Odile. Bonjour. François. Bonjour. Et Aude. Bonjour. Votre chauffeur là, c'est Jean. Bonjour. Et mon autre fille, vous l'avez vu tout à l'heure, hein. Il y a Hyacinthe qui ne peut pas monter à cheval. Allez, c'est Aurélie. Ah. Et moi, c'est Frédéric. Voilà. Très bien. Alors, Jean, c'est mon oncle. Aurélie là-bas, c'est ma fille. Aude, mon autre fille. Et moi-même, nous sommes les propriétaires de la manade. Et en Camargue, on ne dit pas un troupeau de taureaux, on dit une manade de taureaux. Les autres, ce sont des amis qui aiment bien monter à cheval et qui viennent nous donner un bon coup de main. C'est plus agréable de monter à cheval derrière des taureaux que dans des incultes. Alors eux, ça les amuse bien et nous, ça nous rend un grand service. Voilà, on appelle ça des amateurs gardiens. Comme Eliane, d'ailleurs. Oui, Eliane. Il y a un amateur chez Cuillet, il va toujours. Toujours. Je suis un peu plus à pied qu'à cheval les hommes. Ah, bon. Enfin bon, c'est un assidu aussi qui aime bien monter à cheval et qui rend de grands services aussi à la manade Cuillet. Chaque manade a ses amateurs. Et on peut, il y a quelques-uns qui vont chez d'autres manades, mais en principe, chaque manade a ses propres amateurs et on ne se mélange pas. C'est comme ça les traditions. Merci. Parce que notre élevage existe depuis 1904. 118 ans que notre élevage existe. Et mes filles, maintenant, c'est la sixième génération de Reynaud à être manadier. Voilà. Nous élevons des taureaux de race Camargue pour les courses aux arènes. La course aux arènes, à ne pas confondre avec la corrida. La corrida, c'est les taureaux espagnols. La différence qu'il y a avec nous, c'est que les taureaux de corrida, quand ils partent chez le propriétaire, ils sont vendus parce qu'ils vont mourir aux arènes. Tandis que nous, pas du tout. Nous, c'est une location. On loue le taureau à l'organisateur pour un quart d'heure. Le soir, on le ramène chez nous. Le taureau peut faire 6-7 courses par an. Tout ça sur une dizaine d'années. Alors, la course camarguaise, on met une cocarde rouge au milieu du front, un pompon blanc à chaque corde qu'on appelle des glands, et des tours de ficelle autour des cordes. Et là, et combien vous en mettez? Des tours de ficelle le plus possible pour amener. Là, vous voyez, vous me branchez là. C'est un spécialiste. Alors là, il y a ce que je disais, il y a des hommes en blanc. Et ne me dites pas que les taureaux foncent sur le rouge, c'est pas vrai. Le taureau il fonce sur tout ce qui bouge. Il y a des hommes habillés en blanc qu'on appelle des raseteurs, parce qu'ils rasent le taureau, ils passent devant le taureau et à l'aide d'un petit crochet métallique, ils essayent de ravir les attributs que je viens de vous citer. Et alors là, il y a un monsieur au micro qu'on appelle un président de course, qui au fil du quart d'heure, mais 10 euros de la part du boulanger, 10 euros de la part du mécanicien, de la part du pharmacien. Les gens se font une publicité comme ça. Et au fur et à mesure du quart d'heure, les primes montent. Et au plus le taureau est méchant, au plus le taureau est agressif, au plus le type au micro met de l'argent. Et même au trophée des As, ça peut monter à coût de 50 euros, même à coût de 100 euros. Si le taureau est vraiment agressif, et quand c'est un biondo par exemple. Et les raseteurs peuvent se faire des après-midi assez convenables, mais ils le méritent. Parce qu'ils mettent leur vie en jeu. Il y a du danger, vous avez vu. Là, il y a des vaches, enfin, il y a des talons. Ils ont de longues cornes pointues et ils s'en servent. Et donc les gens, les raseteurs mettent leur vie en danger. Donc c'est normal qu'ils gagnent de l'argent. Voilà. Je dis souvent la différence qu'il y a avec un footballeur,
footballeur, s'il tombe, le ballon roule. Le rasoteur, s'il tombe, le taureau s'arrête et il s'occupe de lui. Tu es d'accord avec moi, Eliane, hein? Il a dit une bêtise, tu m'arrêtes. Hein? Non, lui, il était ambulancier, donc il en a ramené quelques-uns de rasoteurs qui étaient amochés. Chaque année, il y a un taureau qui est élu biau d'or. Un biau en Provençal, c'est un taureau. C'est le taureau en or, c'est le meilleur taureau de tous les élevages confondus. Alors là, il y a un jury de 27 personnes qui suivent toutes les courses aux As. Les courses aux As, c'est la Ligue 1, le top 14, c'est le summum de la course camarguaise. Donc il y a un jury qui suit toutes les courses et chaque année, ils élisent le biau d'or, meilleur taureau de tous les élevages confondus. Donc là, nous avons eu régisseur en 1957. Vous avez peut-être vu la tombe, hein, en passant en remorque tout à l'heure. Hein, bon, alors il y a le biau d'or, mais après tous les taureaux c'est des cocardiers, et les vaches c'est des cocardières. Donc chaque année, il y a une vache élue cocardière au d'or. Là, il y a des petits qui ont 3 jours, 4 jours, là, les petits. Ah oui, ça petit. C'est l'époque de naissance. Tous les jours, il y a des veaux qui naissent. Un numéro d'année de naissance sur la cuisse. Donc les 900, par exemple, ils ont 3 ans maintenant. Et un numéro d'ordre sur les côtes, de 1 à 60. Et sur nos livres, on marque que le 953, c'est le fils de Carioca. Le 932, c'est le fils de Angélico. Et on suit les familles comme ça. Et au moins, le vétérinaire, quand il vient faire les prophylaxies, il dit qu'il a bien vacciné le 432. Et par contre, le 526 est absent. Donc il revient 3 jours après à nous de l'enfermer, de le trouver, et il revient le vacciner. Il faut que toutes les bêtes passent au couloir, que toutes les bêtes soient vaccinées. Prise de sang sous la queue et vaccin pour la tuberculose, bruxellose, IBR, BVD. Chaque année, il nous invente une maladie. Après, quand c'est comme ça, ça peut être D'abord, il y a des chevaux qui ont peur des taureaux. Donc, déjà là, c'est éliminé. Et puis, il faut qu'ils soient très vifs, très réceptifs. Donc, il faut les chevaux un peu sur l'œil, un peu réveillés. Donc, c'est pas tous qui font ce travail-là. Et après, il y a les chevaux jeunes qui sont dressages comme lui, comme Sudode. Aussi, c'est les chevaux jeunes qui commencent un peu à faire. Donc, on va trier toujours avec un cheval confirmé, comme celui de Michel ou celui de François ou d'Odile, là. Des chevaux plus âgés, donc en se mettant à deux comme ça, le cheval apprend. Et ce qu'il faut toujours, c'est que le cheval gagne. Même si la vache nous empêche, comme on dit chez nous, c'est-à-dire qu'elle ne se trie pas, il faut recommencer pour que le cheval finisse gagnant, pour le moral du cheval. Monsieur, hein?